Suivant les orientations du chef de l'État qui tient à mettre l'homme au centre de toutes les priorités, le gouvernement s'emploie à la construction des lycées d'excellence, des lycées interdépartementaux et des lycées de proximité pour donner la chance aux jeunes afin de devenir demain des ressources humaines qualifiées et responsables. L'inauguration ce jour du lycée de Siafoumou à Pointe-Noire obéit bien à la nouvelle donne éducative qui consiste à rapprocher l'école des élèves. Il y va de la limitation des effectifs et cela se révèle comme une solution palliative au grand banditisme. Pour le maire du 5e arrondissement Mongompoukou, Apollinaire Moulébé, cette infrastructure doit être jalousement entretenue. Le lycée de Siafoumou a tout pour offrir à ses premiers apprenants un cadre propice d'apprentissage. En quelques mots, l'entrepreneur Igor Louvandi nous fait sa présentation technique. Le lycée de Siafoumou est composé de 4 bâtiments. Un bâtiment à 2 niveaux comprenant 12 salles. Un bâtiment R plus 1 comprenant au rez-de-chaussée un laboratoire pédagogique. Un bâtiment administratif. La zone d'astreinte composée d'un bâtiment destiné au personnel administratif composé de 3 logements modernes. Cet élan de maillage du pays en infrastructures scolaires de qualité va se poursuivre, nous dit le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou, qui reconnaît qu'avec de telles infrastructures, le Congo ne viendra pas à manquer de cadres pour assurer son développement. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, considère l'éducation comme l'une des clés d'un avenir durable pour tous et nous enjoint à changer fondamentalement la façon de concevoir l'éducation et son rôle dans le bien-être de la population et le développement de notre pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous avez su insuffler, dans le cadre de votre action à la tête du gouvernement de la République, les conditions de travail ainsi que la rigueur et le pragmatisme qui nous ont amenés aujourd'hui à bénéficier de ce beau joyau pour la jeunesse de Pointe-Noire. C'est toujours dans ce contexte que sous votre autorité et dans quelques jours, les lycées de Mukondo à Brazzaville, le lycée d'Oyo dans le département de la Cuvette, le lycée de Makabana dans le département du Niari, ainsi que le deuxième lycée de Nkaï vont être inaugurés. Après le rituel des sages suivi du dévoilement de la plaque inaugurale, le premier ministre chef du gouvernement Anatole Coliné-Makosso a visité tous les compartiments du nouveau lycée de Siafoumou.